Bon, alors, jeudi dernier, j'ai joué, j'ai fait un nuage Seron, et j'ai essayé de l'enregistrer. Sauf que vous n'avez eu que les 3 premières secondes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que j'ai appuyé sans faire exprès sur la touche pour arrêter le tournage. Ce qui fait qu'en gros, j'ai enregistré 3 secondes, et après j'ai parlé dans le vide pendant 35 minutes. En plus, la partie était très belle. Enfin, j'ai joué une partie qui était assez épique, hein, comme on dit. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas été enregistrée. C'était vraiment une partie pimentée, stressante, où j'ai échappé de justesse à la bordure. Ou, enfin, il s'est passé des choses assez sympas. Donc, bah, tant pis, vous ne l'aurez jamais, malheureusement. Bref, aujourd'hui, on va en refaire un, du coup, pour essayer de rattraper un peu le coup. Donc, non, c'est un UHC run hein, qu'on fait. C'est alors, voilà, si ça veut bien charger. Alors, je crois que c'était là UHC solo. Alors, par contre, là c'est en équipe 2 sur 24. Est-ce que ça va aller vite en fait? C'est la question que je me pose. 2 sur 24, 4 sur. Ouais, on va aller là. On va aller là. Donc, ouais, ça devrait être bon. Donc, pour rappel, le principe de l'UHC Run, donc c'est un UHC classique. Enfin, c'est comme un UHC classique avec quelques petites particularités tout de même. C'est qu'on joue sur un Minecraft simplifié. Donc, toutes les opérations sont plus rapides. Enfin, beaucoup d'opérations sont simplifiées, notamment la récolte des minerais hein, qui sont tout de suite cuits. Bon, tout un tas de choses hein, que je vous laisserai redécouvrir. De toute façon, j'ai déjà joué dessus. Alors, je vérifie que j'enregistre bien cette fois-ci, mais quand même. Ouais, donc c'est bon, on est assez. On va pouvoir jouer dans 15 secondes. J'essaierai de vous mettre dans la description le lien vers le rapport de la partie. Parce que comme vous l'avez vu la première fois, on a un rapport à la fin. Donc c'est assez intéressant. Voilà, on va pouvoir commencer. Hein, donc. Bah c'est parti. On est bien. Ouais. Hop. Allez, on va récolter tout de suite du bois. Alors, oui, je voulais aussi revenir sur la canne à sucre. On peut la récolter, la canne à sucre. Hein. Ah, ça c'est sympa, en plus tout le bois se casse d'un coup. Du coup, j'en récupère 38 d'un coup, c'est l'avantage du Dark Wood. Voilà, je vais avoir un stack déjà. C'est assez rapide. Dégâts actifs dans 30 secondes. Oui, on avait vu aussi que la première minute, on n'a pas de PVP. Oh, ouais, les pommes, pas mal. Ouais, donc on peut récolter la canne à sucre. Hein. Ce qui s'était passé la première fois, c'est que je l'avais fait tomber dans l'eau. J'ai pas fait attention et je suis reparti sans la prendre. Donc on peut avoir la canne à sucre, on peut enchanter. D'ailleurs, j'avais réussi à enchanter dans la dernière partie là, qui a pas été enregistrée. J'avais enchanté, j'avais même fait une enclume et tout, enfin bon. Par contre ici c'est un peu sombre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Bon, ces arbres-là ne donnent pas de pommes, mais ah, il va me falloir de la bouffe aussi. Faut que je fasse attention à la bouffe. Voilà, c'est bien, j'ai déjà beaucoup de bois. Bon, 3 pommes, on va essayer d'en avoir plus des pommes. Parce qu'il y a quand même moyen d'en avoir pas mal, hein, surtout que les arbres sont rapides à. Oh putain. Je crois que j'ai tout pété d'un coup là. Ouais, parce que les arbres sont rapides à casser. Ouais, donc c'est pas mal. 4 stacks et demi, ouais. Bon. On va t'en reprendre un peu quand même, ça fait pas beaucoup. Hop. Bon, 7 pommes, je pense que c'est bon. On va peut-être monter jusqu'à 10. Enfin, je sais pas si c'est nécessaire, hein, parce qu'on n'aura jamais le temps de trouver assez d'or. Donc non, on va en rester là. On va essayer de prendre qu'un seul type de bois d'ailleurs, peut-être. Ouais, bah c'est bon, hein, j'ai largement ce qu'il faut. Du coup, ouais, les chevaux ne donnent pas de bouffe, hein, je crois. Du coup, je m'en fous un peu. Alors. Où est-ce que je pourrais trouver de la bouffe? Bah, il serait bien qu'il y ait des mobs par là. Ah oui, c'est vrai qu'on a du speed aussi, c'est pas mal. Alors, on va se faire les premiers outils, la pioche.
Ah bah oui, c'est vrai qu'on a les trucs en pierre tout de suite, à chaque fois j'oublie. La hache aussi. Hop, voilà. Bon, j'espère que cette fois-ci ce sera enregistré, hein, parce que bon, j'avais un peu la rage quand même la dernière fois. Ceux qui me suivent sur Twitter ont dû s'en rendre compte. Je rageais un peu. Alors, on va faire très attention à la bouffe. Ce serait con de finir si tôt. Ah, y a pas de bouffe, hein. Y a que des chevaux, mais ah, une vache là-bas. J'espère qu'il y a un troupeau. En général, oui, mais apparemment, là. Ouais, et puis on a du steak aussi directement sur les. Ok. Est-ce qu'il m'attaque? Non. Non, s'attaquer au début. C'est un peu. C'est pas forcément intéressant. Bref. Ouais, j'ai eu que deux vaches. Ah, c'est bon, il y en a une autre là. Bon, moi, là, j'ai eu de la bouffe, oui, parce que dans la partie non enregistrée, j'avais eu vraiment un problème de bouffe aussi. Hein. Ce qui n'a fait que conforter son caractère épique d'ailleurs. Ah, c'est quand même pas énorme. Moi j'en ai eu 16, bon c'est pas mal. Alors on va organiser un peu l'inventaire. Ah, je vais me faire une pelle aussi après. Ouais, puis la bouffe. Alors est-ce que. Bon, on va explorer un peu, hein. Faut aussi qu'on s'enfonce assez vite. Parce que voilà, il nous reste 15 minutes 30 avant d'être téléporté en 200-200. Donc, on va faire gaffe. On va surtout faire vite. Bon, il y a des cochons. On va aller reprendre de la bouffe, hein, parce que je préfère en avoir assez. Même si après, la partie est assez courte, hein, de toute façon. Allez, c'est non. Toujours aussi chiant pour tous les mobs. Hein. Ouais, il n'y en a pas d'autres à part là. Alors, il reste 17 joueurs, ok. Oula, on va faire attention à la vie. Bon, si je retrouve pas de bouffe, hein, je pense qu'on va s'enfoncer, tant pis. Allez, non, mais des chevaux, il y en a partout, hein. Sauf que, bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ouais. Bon, il faudrait que je trouve une entrée de ca... Ah bah tiens, un village. Alors. Est-ce qu'il a, avec un peu de chance, il a pas encore été exploré? Ah bah, il y a de la bouffe aussi avec les moutons, hein, c'est vrai. On a pas mal de bouffe apparemment. Hop, on va regarder dans la fonderie, le coffre qui doit être là. Bah y a rien, oui donc c'est sûrement exploré. Hein. S'il y a des choses dans les fours, non, je crois pas, mais. Ouais, ça a dû être exploré ici. Bon allez, on va reprendre les vaches là et on va s'enfoncer. Au tout début là où je suis apparu, il y avait une entrée de caverne. Est-ce que des fois il y aurait des échanges? Je sais pas. Ouais, bon. Hop. Bon, pour la bouffe, on va en avoir assez. Je croyais qu'il y avait un truc par terre, mais non. Voilà. Bon. Ouais, je pense qu'on en aura assez. Mais bon, on en trouve, il faut bien en profiter quand même, hein, parce que. Ah, une entrée de caverne. Tiens, on n'est pas dans un bout de jungle là, parce que. Oh non. Ouais, non, c'est un. Ah non, parce qu'il est en dessous, d'accord. Hop. Bon, allez, hein. Hop. On prend.
mais on a ce qu'il faut. Bon, on va s'enfoncer dans cette caverne là. Alors, où que c'était déjà? Où que c'était? Putain, mais j'arrive à paumer. Ah non, c'est bon. J'arrive à paumer un truc comme ça sur une distance. Hop. Bon, là, y a rien. Ah, c'est là-bas, ok. Va falloir qu'on se fasse une pelle aussi, hein. On avait vu aussi que les poulets donnaient des flèches. Ce qui peut être sympa. Ah oui, j'ai pas encore de torche. Ah, Blaze, ok, il y en a déjà un dans le Nether. Ah non, non, non. Parce qu'il y a aussi des bouts de Nether. J'avais remarqué ça dans la partie qui n'a pas été enregistrée. Qu'il y avait des bouts de Nether dans le monde, bah, en sous terre, là, tout simplement. Bon, on va essayer de récupérer le charbon là qui est là-bas. Ok, encore un Blaze. Donc il y a des bouts de Nether, hein, sous terre. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller dans le Nether. Enfin, on n'a pas besoin de faire de portail apparemment. On va éclairer tout de suite. Voilà. On prend les torches, on va essayer de s'enfoncer. Oh, il me reste plus que 11 minutes déjà. Ah, du diamant, parfait. Sauf que j'ai pas de fer. Alors ça, par contre, c'est un peu chiant. Bon, je prends tout le charbon, je vais essayer de me dépêcher. Ouais, c'est peut-être pas la peine d'en prendre d'autres, hein, non plus. Hein. On va se faire un stack de torches, ouais. Voilà, on va essayer de trouver du fer. Ok, là, y a rien. Enfin, y a rien. Ça continue par là. Faut pas que je perde le diamant. Bon, là, y a une ouverture. Du fer. Très bien. C'est ce que je voulais. Ok. Bon, il y en a un peu plus. Ouais. Alors, le fer. Il va falloir qu'on se fasse... Il faut rien... Ah, il va falloir que je retourne à la surface aussi, merde. Parce qu'il me fallait de la canne à sucre. Ah, j'ai pas pensé à regarder dans le village, tiens, s'il restait des bibliothèques. Mais s'il a été exploré, il est probable que toutes les bibliothèques aient été pillées. Hein. Donc, on va y aller sans espoir. Mais il faudrait que je trouve de la canne à sucre, sinon. Alors, j'espère que le diamant, c'était là. Hein. Ouais. Ah oui, faut que je m'organise un peu plus. Voilà. Ah non, j'avais déjà. Qu'est-ce que je fais? J'avais déjà un atelier. N'importe quoi. Hop. Ouais, on va se faire une pelle aussi tant qu'on y est. Là, je viens là. Hop. Alors, ouais, c'est vrai qu'on en a deux par bloc. Du coup, cela va m'en faire 6. C'est pas mal. Ouais, le charbon m'a dit que... Du coup, on va peut-être plutôt... Non. N'importe. Faudrait qu'on trouve de la canne à sucre. Hop, allez. On n'a plus beaucoup de temps, hein. On a déjà plus que 8 minutes 30 avant d'être téléporté. Après, il faut quand même qu'on retrouve du lapis encore. Là, non. Bah, il faudrait une rivière déjà, enfin, ou quelque chose dans le genre. Bon, ça va, il y a beaucoup de vaches ici, hein. Okay. Ah, il y a de l'eau, on va essayer de trouver de la canne à sucre. Non, il n'y a rien par là. On a déjà plus que 11, hein.
C'est surtout des morts. Ouais, c'est pas des affrontements, hein. C'est des morts par mob. Ou des chutes, ce genre de choses. Bon. Non, là, y a rien. Pas là non plus. Je vais encore mettre 300 ans à en trouver de la canne à sucre. Surtout qu'après, il nous faut le lapis. Ouais. Et le psy, forcément. Bon, le cuivre, on a ce qu'il faut. C'est déjà cela. Bon, l'obsidienne, il me semble qu'on en trouve quand même assez facilement. Tiens, ce qu'on va faire aussi d'ailleurs dans ce sens-là, c'est un seau d'eau. Au cas où. On va aussi faire la pioche en diamant tout de suite. Je vais miner directement avec. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ouais, des bouts d'armure. Ce sera déjà cela de fait. Voilà. Au cas où, hein, bon. Oula. Oh putain. Dégâts de chute, stupide. On va regarder s'il n'y a pas un peu de fer encore, par hasard. Non. Oh oui, ça c'est un demi-cœur perdu bêtement. Alors, ah bah là j'ai vu du diamant, ouais, on va peut-être aller le prendre. Bon. Alors ensuite, ouais, du fer. J'en cherchais justement. Bon, il faut de la canne à sucre. C'est même, ça vaut même pas le coup que je retourne au village. De toute façon, s'il avait déjà été exploré. Je sais même plus dans quelle direction je vais là. Ah bah j'arrive à la bordure, ok. Bon. Ouh. Faire gaffe là. Il y a pas mal de fer. Je vais peut-être là essayer de pas trop m'en éloigner pour essayer de la retrouver pour descendre plus vite à la fin pour gagner du temps parce que 330 moins 485 à peu près. Ça peut me permettre de gagner du temps à la fin. Hop. Oh putain. Ah, il me faut de la canne à sucre. Ouais. Ah, il y a beaucoup de plans d'eau. Il n'y a rien en canne à sucre. Hein. Peut-être par là, on va regarder. Ah oui, non, mais c'est... Bon, il y a un atelier, donc quelqu'un a dû passer là. Mais pas de canne à sucre, hein. Ah non, ça, c'est vraiment... rien. Ouais, c'est un peu chiant, hein. Ah, surtout que je vais même pas avoir le temps de m'enfoncer et de trouver obsidienne et lapis. Bon, c'est bien, on aura exploré toute la carte, c'est sympa. Allez. Ouais, l'épée, j'aurais peut-être pu faire un truc mieux aussi. On va faire tout le tour, hein, c'est sympa. Ou, c'est peut-être pas non plus une raison pour faire le con. Ah, ouais, téléportation, bah oui, dans 3 minutes. C'est bien, j'ai pas de top d'enchantement, j'ai... Oh là là. Là, ça va être assez dur, hein. Bon. Y a la chance qui compte dans ce genre de jeu, beaucoup, hein.
Mais pas seulement, c'est quand même aussi penser à tout ce qu'il faut reprendre. Bon, ici on va descendre proprement, hein. Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est bon. N'y a pas de canne à sucre sur cette carte ou quoi là? On va être vraiment en retard, je pense. Non, toujours rien. Et c'est de la forêt dense, c'est pas forcément le mieux. Ah non, mais il y a toujours rien, hein. Ah, il y en a là-bas. Bon. Par contre, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Eh ben, dis donc. Comment? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin? Ah putain, non mais là c'est le... Ah bon, je vais rien dire parce que... Ah puis en plus il n'y a aucune entrée de grotte. Bah, non, c'est vraiment super, hein. Tout va bien. Aucune entrée de grotte alors qu'on en a croisé partout pendant l'exploration. Évidemment là il n'y a rien. Du coup on va devoir descendre. Pff, je m'en fous, je vais descendre. D'ailleurs je vais même pas pouvoir descendre avant la téléportation. Je sais même pas si ma canne à sucre va pousser. On va foutre des torches partout. On va attendre. C'est ridicule en fait. Hop. Faut pas que j'oublie de la reprendre quand même avant d'être téléporté. Bon, au cas où, on va faire tout de suite une épée en diamant. Hop. Voilà, ce sera quand même mieux. Ah, et j'ai de quoi aussi me faire, ouais, des équipements en fer, on va les faire après. Ouf, la canne à sucre. Ouais, faut pas que j'oublie de la reprendre. Hein. Voilà, on est téléporté. Maintenant, on est dans une zone de 400 fois 400. Ok. Allez, on jette dessus. La canne à sucre. On s'enfonce. Mais on va s'enfoncer, mais vraiment. Y a pas... Ah, c'est une entrée de grotte, là. Ouais, non, c'est un lac. Ce qu'on va faire, allez, on s'enfonce. Voilà, et le PVP est réactivé. Hop, on va y aller comme cela, hein. J'ai pas de temps à perdre. Ah, un peu de fer, ouais, parce qu'il faut aussi, il faut que je fasse une enclume, autant reprendre du fer. Allez, par contre, un truc auquel j'ai pas, ouais, auquel j'ai pas pensé. Et savoir faire comme la dernière fois. Enfin, comme dans la, ce qui a pas été enregistré. Si je me retrouve coincé avec la bordure, il faut que je fasse gaffe. Bon, le fer, je pense que, de toute façon, dès qu'on en a un stack, hein, faut en avoir besoin de beaucoup plus. Surtout qu'il faut qu'on se rouille avec la bordure. Donc du diamant encore, c'est sympa. Allez, on se grouille. Hop. On est à combien? 20, ouais, ça va aller assez vite. J'ai le seau d'eau sur moi au cas où. Ouais. Voilà, maintenant on va partir dans la bonne direction par rapport à la bordure. On va quand même éclairer, je sais pas si vous voyez beaucoup. Hein. C'est bon, alors je l'ai. Alors, c'est où qu'il faut aller? Non, c'est par là. Ouais, voilà. La redstone, oui, on n'en aura pas besoin, hein, comme on va pas faire de potions. Enfin, mon avis, on pourra pas. Ouais, j'avais constaté aussi dans la partie non enregistrée que la bordure s'arrête en 5-5. Parce que là, elle se réduit constamment, en fait. Ensuite, bah voilà, parfait.
Et ensuite, elle s'arrête en 5-5, ce qui laisse une zone de 10 fois 10. Et là, il reste 2 minutes en fait pour terminer la partie, sinon elle se termine toute seule. Et c'est ce qui était arrivé, hein, parce que tout simplement, je n'avais pas eu le temps de remonter pour combattre. Hop. Bon, le fer, on en a assez. Par contre, faire attention aux mobs aussi, hein, parce qu'il y en a. Hein. Peut-être faire des pommes dorées. Alors, on va prendre tout de suite le psy. Et il va me falloir encore du lapis. C'est ce qui m'a bien fait chier aussi la dernière fois. Enfin, là, je parle encore de la de la partie de jeudi, hein, qui n'a pas été enregistrée. Hop, je vais quand même foutre un... Oh, putain. Oh, du coup, oh, je l'ai pas eu l'autre à cause de l'inventaire plein. C'est bien, j'ai du temps à perdre. Je vais essayer d'être plus large que la dernière fois quand même par rapport à la bordure. Parce que là, enfin, du coup, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai vraiment été obligé de m'enfuir dans le sous-sol en creusant en diagonale carrément. C'était un peu, bon, un peu vraiment... scabreux et périlleux. 4, c'est bon. Alors, il manque plus, bah, je peux déjà faire la table. Hein. Et il faudra encore, bon, on va jeter des trucs. Hop, voilà. Oh, on n'est plus que 5. Alors, le papier, un livre, hop. Et maintenant, il va me falloir du lapis. Donc, mission lapis. Elle est où la bordure? Bon, de toute façon, j'aurai le truc rouge pour me prévenir, mais bon, je suis encore assez large, j'aurais pas tellement. 96, 116. Allez, maintenant la piste, et on essaye de remonter hein, à l'arrache. Bon, j'en ai plus besoin du fer. Ah, j'avais dit aussi que je ferais, j'ai eu le temps, hein, des pommes d'or. Enfin, une pomme d'or. Je vais pas forcément la manger tout de suite, bon, parce qu'il me manque qu'un demi-cœur. Mais bon, cela pourra toujours servir. Ouais, le lapis, ouais, c'est vraiment ce qui va m'embêter, je pense. Bon, c'est bien, on creuse beaucoup plus vite que l'avancement de la bordure, hein, donc bon, ça va. Mais si quand quand on doit fuir en diagonale, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Bon. Ah bah, je vois que les gens acceptent très bien leur défaite. Alors, est-ce qu'on va trouver du lapis ici? J'enregistre toujours, hein. Ouais, c'est bon. Non, parce que... On va arriver, ouais, en 50. On va peut-être partir de l'autre côté, je sais pas. Enfin, bifurquer un peu. Bon, est-ce qu'on va trouver du lapis, là? Ouais, on voit bien que la bordure arrive derrière moi. Donc, on va quand même faire gaffe. Parce que là... Bon, du diamant, ouais. Pourquoi pas. Pour faire des éléments d'armure en diamant, ouais. On va le faire. Mais c'est surtout du lapis là qu'il me faudrait en priorité. Du diamant, bon. On va pas dire non, hein, mais. Oh, en plus, il y en a pas mal là. Vous savez quoi? On va faire une armure en diamant, tiens, tout de suite. Par contre, là, ça va être le problème, là, ça va être la bordure, en fait. Pff, les trucs de bois, j'en ai pas besoin d'autant. Getting La bordure, elle est... Ouais, bon. En plus, je fuis par là, mais... Peut-être se faire d'une... Voilà, c'est ce que je disais, il y a des bouts de nether, hein. On peut-être se faire, ouais, des trucs en diamant aussi. Donc là, on a une sorte de forteresse. Ah ouais, ok, d'accord. C'est même des trucs aménagés, carrément. Mon seau d'eau, c'est là qu'il peut servir. Hop, vous savez quoi? C'est ce qui permettra de faire des potions, hein, au cas où.
Mais je pense qu'on pourra pas en faire. Alors, vous allez rien voir. La resto, on s'en servira pas. Il y a des trucs vraiment. Deux diamants en plus. Ok, alors je voulais faire. Est-ce que je vais avoir le temps par contre? J'ai la eu la Nether Wart, hein, mais on n'aura pas le temps de faire des potions. Attendez, elle est où la bordure? Ah, il faudrait que je vais être obligé de fuir un peu en diagonale. Parce que là, l'écran est rouge, elle doit arriver derrière moi. À 23 ans, ah bon? Bah, non. Bon, c'est bon, on a l'air de s'éloigner un peu, l'écran dérougit. Oh bah, ok. Je rate du diamant. On n'en aura pas besoin de plus, hein. Et par contre, alors on va essayer de se mettre dans la zone protégée. Donc là, en gros, la zone de moins 5 à 5. Et c'est là qu'on va pouvoir opérer un peu. Mais toujours pas de lapis, hein. Et le lapis, je risque d'être coincé à la fin. Ah ok, on n'est plus que deux. J'ai même pas fait attention. Ah bah il y a encore un biome nether ici. Ouais bah écoutez, on va essayer de. Je sais même pas si je vais le trouver le lapis. Honnêtement, ça me semble très compromis. Ah. Ouf. Ah ok, il y a carrément un nether là. Ok. Ici, je suis dans la bonne zone. Profond, bah oui, plutôt profond, oui, on va. C'est quoi? On va aller vraiment profond, oui. Même pas full fer, c'est ce que tu vas voir. Même pas full fer. Comment ça, même pas full fer? Alors, bon, par contre, l'inventaire, il me fait un peu. Tu vas voir ce que c'est un pas full fer, toi. Bon. Allez. Est-ce que je pourrais. Non. C'est pas ça que je voulais jeter. Oh là là, mais le bordel là-dedans. Lol. Ah non, c'est bon. Ok. D'accord. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Mes diamants. Oh putain. Oh non. Je sais pas si vous voyez. Les diamants sont coincés derrière la bordure. Je peux pas les reprendre. Oh, connerie d'inventaire plein aussi. Oh non, mais sérieusement, c'est vraiment n'importe quoi là. Bon. Non, on peut pas récupérer les items. Bah, c'est aussi parce que j'ai l'inventaire plein de tête. Ah. Ah bah oui, je les ai, c'est bon. Bon là, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire, hein, je reconnais. Voilà. Donc voilà, je suis même pas full fer, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, malheureusement, j'aurais pas pu enchanter. Ouf, bon, l'armure en fer, tant pis, on laisse. On va peut-être manger la pomme dorée tout de suite. On va garder des blocs sur nous, ouais. Bon, de toute façon, autant la manger tout de suite, la partie se termine dans 1 minute. Bon, bah allez, on va sortir de là, on va essayer de le trouver. Oh, bon, très bien. Par contre, je suis pas dans une position... Ouais. Bon. Voilà. Bah très bien, c'est fini. Ah oui, du coup, il y a carrément un feu d'artifice qui est coincé dans la... Qu'est-ce qui se passe là? Putain, je contrôle rien. GG. Hop. Oui, donc je sais pas ce qui se passe là. Je bouge même pas. Il continue à. Donc j'ai. Oui, je suis second. 50 pièces. Ok. Voilà. Le lien du rapport hein, que je vous mettrai dans la description. Le classement des dégâts infligés et tout. Une étoile, ok, ouais, j'ai pas regardé vraiment les étoiles.
En même temps, il devait pas avoir de mal à me trouver, hein, sur une zone de 10x10. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'est fini pour cette partie. Bon, c'était assez sympa, hein. Finalement, bon, pas forcément aussi prenant et stressant que la précédente. Mais c'était quand même sympa, hein. C'était une partie assez pimentée. Alors, faut pas que je perde ce lien-là. Donc, bah, merci d'avoir regardé. Je pense qu'on va en rester là. Bon. C'est vrai que sur la fin, c'était assez chaud. Voilà. Donc, bah, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve plus tard pour un nouveau contenu. Allez, à plus.